À Québec, maintenant, un homme de 40 ans se trouve dans un état critique après avoir été électrisé. Marc-André, les événements sont déroulés en début de soirée. Oui, effectivement, Jean-François, dans le secteur Val-Bélair à Québec. Vous l'avez dit, c'est un homme de 40 ans qui a été électrisé alors qu'il coupait une haie de cèdre sur le terrain d'un membre de sa famille. Vous voyez rapidement les premiers intervenants d'urgence, dans ce cas-ci les pompiers qui étaient les premiers arrivés sur place, ont fait les manœuvres de réanimation. L'homme a été transporté à l'hôpital sous escorte policière. Pour le moment, vous l'avez dit, là, il est toujours dans un état critique. On attend là, une mise à jour de la police de Québec. Il y a une scène d'ailleurs qui a été érigée sur les lieux de l'événement. Il y a une reconstitution également qui a été faite hier tard en soirée dans le but là, de faire la lumière sur les causes et les circonstances de cet événement. Et les services d'urgence rappellent qu'il faut être extrêmement prudent lorsqu'on travaille à proximité de lignes électriques, dans ce cas-ci, des lignes là, de moyenne tension. Selon le site d'Hydro-Québec, il ne faut pas s'approcher à moins de 3 mètres des fils électriques. Et il est toujours possible, d'ailleurs, de se rendre sur le site d'Hydro-Québec pour avoir le plus de détails sur les manœuvres à effectuer lorsqu'on est tout près des fils, parce que des événements comme ça, ça peut arriver rapidement. Alors, on tentera d'avoir une mise à jour sur l'homme, sur l'état de santé de l'homme âgé de 40 ans. Tu l'as bien dit, hein, tout près des fils. Pas besoin d'entrer en contact avec les fils pour être électrisé, malheureusement. Il faut être très prudent. Merci. À tantôt, Marc-André. À tantôt.